Bonjour, je m'appelle Geoffrey Gaspard, j'ai 25 ans, je suis originaire de Diego-Suarez et j'y vis actuellement. Je fais cette vidéo pour vous solliciter, pour vous interpeller. En effet, j'ai besoin de votre aide. Comme tout pays à travers le monde, Madagascar est victime du Covid-19. L'économie est au point mort et la population souffre de jour en jour. Et par-dessus tout, notre personnel soignant manque de moyens. Les hommes et femmes en blouse blanche ont besoin de notre aide pour combattre le virus. Avec Instagrammers Madagascar, Tanimbio et Miamland, nous avons lancé une initiative citoyenne. Nous avons organisé une levée de fonds pour fournir 5000 masques chirurgicaux aux hôpitaux de la région Xana et 5000 masques chirurgicaux aux hôpitaux de la région Sava. L'heure n'est plus aux discussions, mais à l'action. Cela fait plus de 8 jours que nous avons lancé une levée de fonds pour l'achat de ces 10 000 masques. Mais nous avons jusqu'à présent récolté que 50 euros. Et il ne reste plus que 7 jours pour agir, pour atteindre notre objectif de 4 000 euros. Ainsi, j'adresse cette vidéo spécifiquement aux diasporas malgaches dans le monde entier, surtout aux personnes originaires des régions Xana et Sava, aux associations de malgaches, aux familles qui sont maintenant à l'étranger. N'oubliez pas votre Tanin Jazz. Ne pouvez-vous pas donner 5 euros pour votre pays d'origine? Votre participation pourrait changer la donne sur le terrain et permettre à nos médecins de travailler en toute sécurité. Quand l'on voit la réactivité de la diaspora libanaise au niveau humanitaire après la double explosion survenue à Beyrouth le 4 août, cela donne beaucoup d'espoir. Mais également les Mauriciens qui luttent pour sauver leur île d'une terrible marée noire en ce moment. Inspirons-nous de ces peuples libanais et mauriciens qui sont forts, solidaires et résilients. Ils croient en un avenir meilleur. Nous devons aussi. Je vous le demande, je vous en supplie. N'oubliez pas là d'où vous venez et faites un geste. Le minimum est aussi le bienvenu, mais nous devons atteindre notre objectif de 4 000 euros avant l'échéance de la cagnotte. Le virus n'attend pas. Il ne suffit que d'un cas pour infecter un village, une ville, une région et tout un pays. Alors agissons vite. Un jour, lorsque tout reviendra à la normale, vous pourrez être fiers d'avoir contribué. Et surtout, vous pourrez revenir au pays et profiter de notre paradis. Vos enfants vous demanderont ce que vous avez fait pour résoudre cette crise. Vous pourrez leur répondre que vous avez participé. Et que malgré les aides internationales, que vous, en tant que malgache lambda, originaire de ces régions, vous vous êtes approprié votre Tanin Jazz en aidant les médecins locaux à combattre ce virus. À présent, place à l'action. Cliquez le lien internet dans la description et donnez avec votre cœur. Les médecins, les malades et toute la population vous en seront reconnaissants. Je vous remercie d'avance.